L'USR avance désormais vers la cour des grands. Une conférence de presse était organisée dans les locaux de l'entreprise de l'un de ses partenaires afin de présenter le prochain tournoi de futsal qui se déroulera le 9 juin prochain. Pour le président du club, l'objectif est clair. D'une part, faire avancer le club vers un fonctionnement plus professionnel et d'autre part, donner la possibilité aux entreprises partenaires du club de se fédérer. Depuis déjà 2012, nous cherchons toujours des occasions pour rencontrer nos partenaires, un moment un peu festif, convivial. Cette fois-ci, nous avons considéré qu'il fallait qu'on se retrouve autour du ballon, tous ensemble. Et donc, nous avons proposé à nos partenaires d'organiser pour eux un tournoi pour que leurs salariés constituent des équipes, pour que ces équipes d'entreprise, sur un espace réduit, soient jouées au foot pour fédérer les équipes. Une structure située justement dans la zone industrielle de Jarry est prête à accueillir l'événement. Alors nous, on nous a sollicité justement pour l'organisation parce qu'il fallait un endroit pour fédérer autour du futsal. Donc il apparaît que le Guada Football Club est très bien placé. Alors normalement, il y aura une vingtaine d'équipes constituées de 10 joueurs. Donc ce sera un tournoi sur toute la journée avec des matchs de 15 minutes et 20 minutes pour la finale. On est sur un terrain réduit, donc les terrains en l'occurrence font 15-25. Donc automatiquement, les distances sont plus courtes, mais c'est beaucoup plus intense parce qu'on joue avec les balustrades. Donc le ballon rebondit et on a tendance à courir après le ballon au lieu de le faire courir, qu'on n'a pas l'habitude. Mais c'est original et très sympa. Et c'est surtout ouvert à tous. Le directeur de l'entreprise partenaire du club trouve beaucoup d'avantages dans la participation de son entreprise à cet événement. C'est quelque chose qu'on a expérimenté il y a maintenant un peu plus d'un an. Alors au travers de différents sports, il n'y a pas que le football, il y a aussi la course à pied, et puis il y en a d'autres encore, le cyclisme également. Et franchement, voilà, avec un petit peu de recul, il faudra attendre encore un peu plus, mais les premiers résultats sont intéressants. Il y a une vraie émulation, ça permet aux uns et aux autres de se rencontrer en dehors de l'entreprise. On n'a pas toujours le temps de se rencontrer dans l'entreprise. Ça fédère autour d'un projet commun. Et puis dans le travail au quotidien, il y a un vrai plaisir qu'on peut sentir, qui est palpable dans l'entreprise. Et donc du coup, il y a une bonne humeur et une dynamique. Donc franchement, on est satisfait, on va continuer. Rendez-vous donc le 9 juin prochain pour ce tournoi de futsal des entreprises partenaires de l'USR.